crocheteurs, coucou les crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto, tuto express flash rapidos. Il s'agit de petits chapeaux que vous allez pouvoir mettre où vous voulez, décorer sur votre sac à main, sur vos porte-clés, vous faites ce que vous voulez avec. Je trouve que c'est trop mignon. J'ai juste ajouté des petites... les petits strass là que j'avais acheté chez Action, ces deux boîtes là, elles sont vraiment bien. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et une aiguille, un crochet, j'ai pris crochet numéro 1. Enfin, c'est écrit numéro 1, vous avez vu, c'est un crochet à deux côtés. On a 1 et 2, j'utilise le côté 1, mais il me semble pas que ce soit trop du 1. On verra, en tout cas ça me donne ce résultat et je trouve que c'est plutôt pas mal. Une aiguille et du fil bien entendu. Ça mesure 7 cm en largeur, 7 cm, je ne l'ai pas pesé parce que ça ne prend pas sur la balance, c'est trop léger. J'ai fait des bonnes affaires au vide-grenier la dernière fois. J'ai eu je ne sais pas combien de pelotes de coton qui coûtent très cher. Je les ai eues à 8 euros, c'est que du coton mercerisé. J'ai déjà préparé des choses avec. Des tricotins, des accessoires, notamment le petit cactus. Vous voyez, c'est trop mignon. Donc, j'ai fait pas mal de choses, mais je ne les ai pas encore publiées, je ne les ai pas filmées. Donc, j'ai vraiment fait des très bonnes affaires. Allez en brocante, n'hésitez pas, allez au vide-grenier. Moi, à chaque fois que j'y vais, je trouve des très beaux fils. Donc, voilà. Allez, j'arrête de blablater. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc on va prendre le crochet, vous prenez les couleurs que vous voulez, vous ajoutez des franges ou pas. Vous pouvez également faire une maille chaînette tout autour du haut du chapeau, enfin du bas plutôt. Au lieu de faire des fils comme moi j'ai fait, vous pouvez très bien faire une maille chaînette et la laisser pendre et mettre des perles. C'est vous qui décidez. Voilà, là c'est, on continue dans la série accessoires. Alors là le chapeau je vais le faire en rose et je ferai le contour en vert anis. Tous les deux c'est du coton quick. J'adore ce coton, il est génial, vraiment, vraiment génial. Allez, on commence, on y va. On va commencer par le haut. Donc, je descends. Je fais le cercle magique. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles, on est le matin, il est très très tôt. Comme je ne vous ai pas fait de tuto depuis un petit moment, je me suis dit que j'allais vous en faire un de suite. Dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. On vient tirer notre fil et on unit à la première. Deuxième tour, une maille en l'air, dans chaque maille, une augmentation. Ça veut dire deux mailles serrées dans chaque maille. Au total, nous allons nous retrouver avec 12 mailles serrées. La maille suivante, deux mailles serrées à l'intérieur. La maille suivante, toujours pareil, augmentation tout le tour. C'est trop simple à faire. C'est trop mignon. Moi, j'adore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On unit à la première des mailles serrées du début une maille coulée. Là, la séquence que nous allons faire, c'est une maille en l'air pour commencer. Une maille serrée dans la première maille. Et dans la maille suivante, une augmentation. Ça veut dire deux mailles serrées. Et on alterne. On fait une maille serrée, à côté, une augmentation. J'ai oublié de vous préciser de mettre en chauffe votre petit pistolet à colle. D'accord, pour pouvoir coller tout ça. Donc je recommence. Une maille serrée, une augmentation. Avec ce système, vous allez pouvoir faire la taille que vous voulez. Moi, j'ai pas fait plus que
ce que je suis en train de faire là. Après, j'ai travaillé uniquement en maille serrée. Alors, une maille serrée, une augmentation. Je vais avoir 18 mailles serrées au total. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, et je termine par une augmentation. Comme ceci. J'entre dans la première maille coulée. Pour l'instant, ça nous donne ça. C'est le haut du chapeau. Maintenant, on va venir faire plusieurs tours de mailles serrées. Je vous montre une maille en l'air. Vous commencez toujours par une maille en l'air. Et dans chacune des mailles, tout simplement, on vient faire une maille serrée. Et ça, on va faire ça sur plusieurs tours. Ça va dépendre de comment vous voulez, enfin la hauteur que vous souhaitez pour votre chapeau. Ça peut être 3 tours, ça peut être 4 tours, ça peut être 5. C'est vous qui décidez. En tout cas, le principe reste le même. Vous faites vos mailles serrées tout le tour. Il n'y a plus d'augmentation, c'est fini. Si vous voulez cette taille, si vous voulez une autre taille, vous continuez les augmentations. On s'était arrêté à une maille serrée, une augmentation. Si vous voulez plus grand, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation. Et ainsi de suite. 3 mailles serrées, une augmentation. C'est vous qui décidez. Mais je trouve que pour un porte-clés ou pour un bijou de sac, ça peut être trop beau. On unit sur la première. Vous voyez, ça commence déjà un peu à se gondoler. Donc je continue jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur de mon chapeau que je souhaite en faisant uniquement des mailles serrées. Alors la maille serrée, moi je la fais pas comme ça. Si vous voulez le fil, je ne sais pas si vous avez remarqué, je le prends de cette façon-là. Parce que je trouve que les mailles sont beaucoup plus jolies, ça nous fait des espèces de petits croisillons. Et je fais toujours ça en fait. Et ça, c'est vous qui décidez. Voilà, je vais monter plusieurs tours. Donc, j'avance un petit peu. Là, c'est le deuxième. Lorsque j'aurai la taille, je vous dirai le nombre de tours que j'ai fait. Je pense que je vais m'arrêter à 4. Voyez, on termine tout le tour de cette façon-là. Et on unit à la première en maille coulée. Je rajoute encore 2 tours et on se retrouve. Voilà, j'ai fait 4 tours. Il me semble que pour les autres, j'en avais fait 3. Vous voyez, la hauteur, elle, il est moins haut. On le voit. Donc, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai fait 4 tours. Je vais laisser comme ça. Je tire un peu mon fil de mon crochet. Je prends l'aiguille et je vais en profiter pour camoufler ce petit fil de l'intérieur. On tourne, on n'hésite pas à tourner. Hein, ça ne fera rien du tout. Ça ne va pas déformer le chapeau. Et on va le rentrer pour le cacher parce que après ça va être beaucoup plus pénible à faire. Croyez-moi, j'ai fait la même erreur 2 fois de suite. J'ai oublié 2 fois de suite de le rentrer au début. Et donc, je voudrais vous épargner un petit peu des erreurs bêtes en fait. Donc, on le cache. De toute façon, ça ne bougera pas. Vous coupez. Et vous retournez comme c'était à la base. On reprend notre fil et notre crochet, que je ne me trompe pas de côté. Hop. Maintenant, on va venir faire 3 mailles en l'air plus une bride au même endroit, équivalent donc à 2 brides. 3 mailles en l'air au même endroit, une bride. Et on va venir faire ça sur toutes les mailles. 2 brides sur chacune des mailles qui sont ici. Donc, on fait 2 brides à chaque fois. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Ça, c'est ce qu'on appelle une bride pour les débutantes. Et on refait une deuxième au même endroit. On fait ça tout le tour. 2 brides dans chacune des mailles qui sont, peu importe la taille de votre chapeau, n'en fait pas 3 non plus, non. Peu importe le nombre de mailles que vous allez avoir, j'ai fait 2 brides partout. Donc je continue et on se retrouve.
Voyez ce que ça donne, c'est trop joli. Lorsque vous avez fini toutes vos brides, on unit à la troisième en faisant une maille coulée. Et là, on va venir faire le dernier tour. Alors, pour faire cette jolie finition, j'ai fait une maille en l'air pour commencer. Au même endroit, une maille coulée. Ça va être ça, la séquence. On va venir faire une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Et ainsi de suite. Et je trouve que ça forme une très, très, très jolie bordure. J'adore. Sur chaque maille, on doit faire une maille coulée, une maille en l'air. Sauf si vous trouvez une bordure plus jolie qui vous plaît beaucoup plus, et ben vous faites à votre façon. Moi, je vous donne juste cette idée-là. Après, vous faites comme vous voulez. Une maille coulée, une maille en l'air. Vous voyez? Une maille coulée, une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air. Et on fait ça tout le tour. Je vous retrouve. Lorsqu'on arrive à la fin, on rentre dans la première ici, maille en l'air que l'on avait faite. Et on fait une maille coulée. Tout simplement. On coupe ce petit fil que l'on va venir cacher à l'aiguille. Donc, je prends mon aiguille, j'enfile et je rentre à l'intérieur. Vous voyez, j'essaye de rentrer dans les mailles qui se trouvent à l'intérieur pour pouvoir cacher ce petit fil-là. Voilà, je le fais glisser un petit peu, pas la peine de faire trop. Et on coupe. Normalement, ça ne bougera plus. Après, vous le mettez en forme comme vous voulez. C'est pour ça que c'est bien de prendre un crochet quand même assez petit pour que ça reste rigide. Ensuite, comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je vous montre. Mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. J'ai pris trois longueurs comme ça. Hop. Voilà, j'ai tourné trois fois. De façon à avoir trois boucles en haut, mais qu'elles soient de la même longueur. J'ai coupé et j'ai coupé le bas. Donc finalement, ça me fait trois fils. D'accord? C'est très très simple. Je suis venue positionner mes fils ici. J'ai fait un petit nœud. On positionne bien. On les fait bien descendre. Vous pouvez mettre un petit point de colle si vous voulez pour que ça tienne mieux. J'ai rajouté un double nœud. Enfin, un deuxième nœud plutôt. Alors, je ne le tire pas de suite. Je positionne bien mes fils. Et après, je viendrai le tirer. D'accord? Voilà. Donc, les fils, soit vous les brossez, soit vous ne les brossez pas. Là, je n'ai pas brossé, là, j'ai brossé. C'est vous qui décidez. Et ensuite, tout simplement, je suis venue coller un tout petit strass hein, sur le nœud, justement. Comme ça, ça le cache. Et je colle, j'appuie. Pour que ce petit strass reste bien collé. Voilà les amis. Ensuite, il nous reste à faire la petite anse en haut. Mais alors ça, c'est très rapide. On reprend le fil. Alors vous pouvez prendre soit la deuxième couleur, soit la première. Moi, je prends la première. J'ai fait 20 mailles chaînettes. Vous pouvez faire beaucoup plus de façon à pouvoir, vous savez, l'accrocher en faisant un nœud coulant sur votre anse de sac à main, par exemple. Donc, je me positionne à peu près au milieu. Et là, on fait le nombre de mailles chaînettes que l'on souhaite.
Je vais en faire 20 comme pour les autres, hein, comme ça ils seront identiques. Et je rentre juste à côté où je fais une maille coulée. Je coupe le fil, une maille en l'air supplémentaire et le tour est joué. On n'a plus qu'à cacher les fils qui se trouvent ici. Forcément, on vient de faire la petite chaînette pour l'attacher. Donc voilà les amis, vous savez faire des jolis chapeaux que vous allez pouvoir offrir ou porter sur vous-même, décorer, en faire des broches, faire ce que vous voulez avec. J'espère que ce petit tuto express vous aura plu. Et puis je vous souhaite de très belles créations. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut, salut.